Ça y est, c'est parti, ça commence. Faut plus que j'hésite, il faut que je me lance. Comme le taureau dans son arène, va falloir que je fasse l'épreuve sur scène. Et vos grands yeux qui se posent sur moi, ça ne me met pas franchement à l'aise. Je tremble jusque dans la voix. Alors Gavroche, en fait, c'est venu évidemment de Gavroche, le personnage des Misérables que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un des plus beaux personnages de la littérature française. Il s'agissait de trouver un nom de scène et je me suis dit, tiens, un petit clin d'œil à ce bonhomme qui va chanter des chansons au milieu du champ de bataille pour aider un peu le peuple. C'était un petit clin d'œil à ça, quoi. L'ivresse, c'est une jolie fille pendue à ton bras, mais qui marche de travers. C'est souvent elle qui t'encourage à décrocher les étoiles posées en haut des réverbères. Elle est festive, elle est légère, elle fait pétiller les gens sages. Tu perds tes clés, tu perds tes sens, elle te fait oublier ton âge. Elle fait les timides volubiles et guide les filles vers les garçons. Elle rend les tristes un peu moins tristes et les cons un peu plus cons. Ça fait plus de 10 ans que je fais de la musique. J'ai commencé avec le swing manouche, c'était de la chanson swing. Et en fait, un jour, j'avais partagé une scène, mais il y a de ça quelques années, avec Gaël Faye, et que je ne connaissais pas et qui n'était pas du tout connu à l'époque. Il n'avait pas gagné les Victoires de la musique, tout ça. Et il a fait du slam. J'ai pris une belle tarte, vraiment. Et du coup, je me suis intéressé au slam, j'ai fait des scènes slam. Et puis, petit à petit, j'ai intégré dans mon set de chansons des slams. Et puis là, en 2019, j'arrête la chanson et je ne ferai plus que du slam. Voilà. Car chaque année, les journalistes viennent et nous polluent l'air, nous filment en gros plan pour mieux susciter ton effroi. Ils arrivent comme un cheveu sur la soupe populaire, et chaque hiver, ils surfent sur la grande vague de froid. Alors on crie scandale, planté devant l'écran, la fourchette à la bouche et la larme à l'œil. Et ça nous choque même plus, et ça nous choque même plus.